la na inote bombo ki oyo eko baby sama lolendo na yango eko baby sama makambo ma nyoso katina moto bombo ki oyo eko baby sama lolendo na yango eko baby sama. Comme vous le savez, les candidats présidents de la République ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle, mais aussi le parquet général près de la Cour de cassation des faits infractionnels que commettent le président de la CENI et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur contre le processus électoral au détriment du peuple congolais et des candidats présidents de la République, et même des candidats aux autres élections. Le président de la CENI veut nous amener à une élection obscure où nous ne savons pas qui est notre électeur. Les électeurs qui vont nous donner leur voix ont leur nom inscrit sur quelle liste électorale? Parce qu'il n'y a aucune liste électorale qui a été affichée. Les listes électorales définitives sont affichées 30 jours avant le lancement de la campagne. On ne les a pas affichées et on doit les afficher par bureau de vote. Elles ne sont pas publiées, elles ne sont pas affichées par le président de la CENI. Les électeurs qui ont été enrôlés et qui ont reçu une carte détiennent une carte effacée et ils ne savent pas se faire délivrer les duplicata. Il s'ensuit que nous avons un grand nombre d'électeurs qui ne sont plus électeurs, peut-être plus de 80% qui ne sont plus électeurs parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur et ne savent pas comment avoir la carte d'électeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, candidats présidents de la République, nous sommes en train d'être amenés à un simulacre d'élection, une élection floue où nous ne connaissons pas qui est électeur et nous risquons, si les élections ont lieu le 20 décembre dans ces conditions, que la CENI reconduise les statu quo, maintienne le président sortant au pouvoir ou sinon désigne celui qui aura fait un accord avec le président de la République sortant. Le président de la CENI est en train délibérément de commettre des infractions. Il n'a jamais publié la liste définitive des candidats présidents de la République. Elle est publiée au journal officiel, notifiée aux candidats présidents de la République et notifiée au gouvernement à l'intention des missions diplomatiques et consulaires congolaises à l'étranger. Cela n'a pas été fait. La cartographie n'a pas été publiée. Mais qui est notre électeur? On va aller à quelle élection? Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur refuse de nous traiter de manière égalitaire avec les candidats président sortant. Or, la loi, dans sa lettre et dans son esprit, veut que les candidats, dès la publication de la liste électorale au journal officiel, ils soient protégés de manière égalitaire. 25 policiers à charge du Trésor, avec matériel roulant, c'est évident. 25 policiers, mais aussi pendant la campagne électorale. Donc, nous sommes en campagne, mais nous ne sommes pas protégés. Vous me voyez, moi, je suis venu tout seul et je n'ai pas la police, je n'ai pas les symboles de la République pour un homme qui a le statut de président de la République. C'est ce que prévoit notre loi. Par contre, le candidat président de la République sortant se promène, continue encore à se promener en tant que candidat dans sa campagne avec les moyens qui protègent le président de la République. On est d'accord, il est encore président de la République. Il peut encore avoir des forces républicaines qui les protègent lorsqu'il va exercer ses fonctions de président de la République. Mais lorsqu'il va en campagne, ce sont les 25 policiers qui doivent assurer sa garde avec les moyens policiers, les moyens de pouvoir public, donc des forces de l'ordre. Monsieur Peter Kazadi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et en même temps avocat, commet des fautes très graves. En tant qu'avocat,
il m'a fait comprendre qu'il viendrait se présenter et que moi je devrais respecter notre déontologie, le règlement cadre, en saisissant préalablement le bâtonnier. C'est ce que j'ai fait. J'ai saisi les bâtonniers parce que je suis respectueux des règles. Comme notre loi le dit, il faut référer la plainte préalablement au bâtonnier de l'ordre. C'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez attendre d'aller devant les magistrats? Et vous me demandez de demander au bâtonnier de se prononcer quant à ma démarche. Pourquoi ne pas seulement donner les moyens qui sont là, les moyens de l'État? Pourquoi vous ne les mettez pas à la disposition des candidats président de la République comme le veut la loi? Voilà, mes frères et sœurs. Maintenant, je suis arrivé ici, on m'a fait attendre. Donc je viens de passer plus d'une heure 45 minutes ici au parquet général, assis, à attendre que le personnel du service minimum vienne recevoir la plainte, comme promis, parce que le service minimum fonctionne le samedi. Avant 12 heures, le service doit encore être en place. Ben, la préposée est allée à la banque toucher son argent parce que l'État congolais ne nous payait pas, nous les professeurs, comme les fonctionnaires. Mais elle nous a dit dans 30 minutes, j'arrive, et n'est pas arrivée. Plus d'une heure 45 minutes après. Et donc, nous sommes partis, nous reviendrons pour que la plainte soit déposée ou nous enverrons un avocat, un confrère, pour venir déposer pour le compte des candidats président de la République, signataires de la décision de poursuite. Merci.